La radio Zénith FM, la web TV Pulseo.com et le journal L'Éclaireur reçoivent comme invité Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Pendant une heure, il est sur le grill. Et vous, que faisiez-vous à 24 ans ? Eh bien lui, il créait son entreprise. C'était en 1986. Élu à la Chambre des métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique depuis 1999, il en est devenu le président en novembre dernier, en prenant ainsi les manettes d'une des chambres les plus influentes du département. Joël Fourny est aujourd'hui l'invité de Sur le Grill. Il est avec nous sur les charbons ardents. Sur le Grill, c'est votre face à la presse, pertinent, impertinent et sans compromis. Sur le Grill, c'est également un travail issu de la collaboration de trois médias. Le journal L'Éclaireur de Châteaubriant, la radio Zénith FM et également la web TV Pulseo. Je suis Erwan Lehaut, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de Sur le Grill et j'ai le plaisir de se retrouver et de retrouver également autour de ce plateau mes comparses qui sont prêts à passer en cuisine. Sonia Martin, Zénith FM, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à tous. À vos côtés, Jean-Paul Bouzic pour le journal L'Éclaireur de Châteaubriant. Bonjour. Bonjour. Un petit accent du sud pour le printemps, ça va faire du bien. Jean-Noël Toubon, Pulseo. Bonjour. Bonjour. Eh bien, tout le monde est présenté. Maintenant, gare au retour de flamme sur le grill, c'est parti pour une heure. Bien, Joël Fourny, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la troisième édition, et puis déjà, de l'émission sur le grill. Au programme, on va commencer, je vais me tourner vers Jean-Noël, oui, par un petit portrait vidéo de notre invité. Alors effectivement, nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez très bien, et pour cause, c'est votre associé. Il a fondé l'entreprise avec vous il y a très longtemps, c'est Philippe Auray. Donc il nous a parlé de vous, de votre parcours, enfin en tout cas, on va l'écouter tout de suite. C'est un portrait signé Damien Piton. On s'est retrouvé en première à l'Yvette et on a fait la première à la terminale ensemble. C'est pareil, il est allé à l'armée un moment et Didier Alain a cessé son activité de modelage à Châteaubriant. Et lui, il devait avoir ça dans le sang, il avait envie de reprendre le truc. Il ne voyait pas comment on pouvait arrêter le modelage sur Châteaubriant, donc il a demandé à Didier s'il était prêt à l'aider pour repartir sur le modelage sur Châteaubriant. Depuis quel âge j'avais ? C'était en 87, par là, donc j'avais 22 ans. Et donc il m'a appelé pour que je vienne le rejoindre. Et donc on a fait un essai quand même. Je suis venu sur Châteaubriant et je suis venu travailler avec lui, donc à IC, toujours dans le local de pompier. Et donc on a fait un essai pendant un an parce qu'on voulait savoir un petit peu si ça pouvait coller. Parce que bon, c'est quand même pas évident d'avoir un travail d'associé, de créer une société directement. Donc pendant un an on a travaillé ensemble et puis ça s'est pas trop mal passé. Quand il y en a un qui voit pas trop comment avancer, l'autre est là pour lui dire un peu comment repartir. Mais c'est vrai que le fait de s'associer, bon, ça va faire quand même 22 ans qu'on travaille ensemble. Donc il y a eu de tout, il y a des coups de gueule, il y a eu des engueulades, Mais on s'est toujours retrouvé, on s'est toujours fait confiance par contre. Ça s'est jamais perdu, on s'est toujours vu en extérieur, on s'est toujours vu entre... Même nos femmes se connaissent très bien, ça se passe très bien. On fait toujours des week-ends ensemble tous les ans. Donc c'est pour ça, on a gardé ce noyau un peu qui fait que même quand des fois on s'engueule le soir, qu'on jurerait à ne pas se revoir le lendemain, que ça repart. Oh, je crois qu'il a ça dans le sang. Ouais, il a ça dans le sang de vouloir... déjà être maître de ce qu'il fait, de son destin, ouais. Et puis d'avoir envie de créer une entreprise, oui, c'est ça, c'est ce qu'il voulait certainement. Si ça n'avait pas été le modelage, ça aurait certainement été autre chose. Est-ce que lui, il va changer les choses? Oui, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'il amène un 109, quoi, parce que c'est pas... Il est assez jeune, quand même. Hein, il est encore en activité. Et puis, il est très, très intéressé par tous ces dossiers. Ah bon, moi, je dis de ce que j'entends dire par ses collègues et puis
Il est très intéressé par tous ses dossiers, très, très impliqué dans tout ce qu'il fait. Il a toujours été engagé à vouloir, par rapport à des associations, par rapport à des associations de, d'entreprises. Je ne sais pas par quoi il a commencé exactement, mais il y avait un groupement d'employeurs par là, auquel il participe. Il a même été président par un moment. C'est pas, je vais être président parce que je vais remplacer le futur président de... Non, c'est pas du tout son truc, c'est, il est vraiment très très intéressé par rapport par ça. Quoi. Alors, un truc marrant, une anecdote, le Joël qui est... il est toujours en retard. Il est toujours en retard, donc il a toujours quelque chose à faire avant de partir, donc si vous prenez rendez-vous avec lui, il sera en retard, sauf évidemment les trucs très... très officiel, et par exemple son mariage. Donc là, il fallait qu'il soit à l'heure, et à son mariage, j'étais son chauffeur. Et il m'a peut-être dit au moins 30 fois avant son mariage, surtout, hein, Philippe, hein, t'es à l'heure. Donc moi, ça m'a fait doucement rire, parce que je savais que c'était lui qui était toujours en retard. C'est-à-dire que quand on veut les inviter chez nous, si on veut qu'ils soient là avant, pas trop après 8 heures, on les invite à 6h30, 7h, quoi, pour être sûr qu'ils soient là. Quoi. Dis-moi Joël, pourquoi quand tu manges du poisson, tu te méfies toujours ? Alors, Philippe a donné sa propre version de cette anecdote. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors cette anecdote, ouais, elle est assez originale et atypique. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui la connaissent. Pourquoi cette question ? C'est tout simplement parce que le jour du mariage, il a fait référence au mariage. Vous savez très bien qu'il y a toujours un peu de stress autour d'un mariage. Et lors du repas, il y avait beaucoup d'animation qui se passait. Et effectivement, quand on est arrivé au moment du poisson, ben, j'ai pas trouvé mieux que de me coincer une arête dans la gorge. Donc après, ça a été problématique puisque je la sentais vraiment. Et du coup, j'ai dû m'absenter du mariage pendant une heure pour essayer de me faire enlever cette arête que je n'ai absolument pas réussi à faire enlever, si ce n'est qu'on me proposait de passer par une chirurgie, donc j'ai souhaité terminer d'abord le mariage, et donc du coup je suis revenu au mariage, donc tout le monde était complètement affolé, ils se demandaient ce qui se passait, et pour finir l'arête est partie le soir en mangeant la brioche, donc si j'avais su tout de suite après, j'aurais pris un petit morceau de brioche pour pouvoir la faire partir beaucoup plus tôt. Mais donc, c'est quelque chose qui est resté. Les amis jouent beaucoup là-dessus. J'imagine. On réagit aussi très souvent. Même la chambre des métiers, quelques personnes de la chambre sont très au courant de l'anecdote. Et d'autant plus que la personne qui m'avait conduit à l'époque chez le spécialiste à Châteaubriant, parce que c'était sur à Barret le mariage, et on était allé sur Châteaubriant, et c'était Bernadette Gernigon qui était en même temps chanteuse et qui avait le sens de l'humour et de la rigolade. Donc je crois que c'était important d'avoir une personne comme ça au moment où il arrive ces choses-là. Mais c'est un souvenir inoubliable. Et je crois que à la fois les amis, mais ma femme aussi, elle s'en souvient, parce que rester une heure avec 250 personnes autour d'elle, c'était assez difficile. On vous a vu sourire à ce portrait. C'est quelqu'un qui compte. Votre associé dans votre vie, au-delà du travail, c'est quelqu'un qui est là depuis le début. Oui, c'est quelqu'un qui effectivement compte beaucoup pour moi. C'est une amitié qui est même quelque part plus qu'une amitié. C'est aussi quelqu'un que je pourrais considérer comme un frère. On a partagé beaucoup de choses ensemble, à la fois sur la scolarité, en formation, mais également tout ce qui est, vie familiale, parce qu'effectivement, nous sommes des amis depuis longue date. On a su également, même si on s'est associé, on a su garder cette amitié et protéger notre amitié en dehors de la vie professionnelle et du monde de l'entreprise. Et puis, c'est quelque chose qui a fonctionné. On s'est dit des choses dès le départ en se disant, on s'associe, mais à côté de ça, on n'a pas envie de sacrifier le reste et il faut absolument qu'on reste amis. Et on a réussi. D'ailleurs, nos femmes nous font très souvent la remarque suivante en nous disant, quand on se rencontre, on n'entend jamais parler de la cime, vous ne parlez jamais de la cime. Et effectivement, c'est une règle qu'on s'est donnée. Je crois que c'est bien. À tel point, c'est que c'est une personne qui compte vraiment. Je l'avais demandé en tant que témoin lors de mon mariage. D'accord. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup. Et puis je pense que par rapport à mon engagement vers le monde extérieur
en dehors de l'entreprise. Je pense que sans un associé tel que Philippe qui accepte et qui est partie prenante à cet engagement, ben je ne pourrais pas faire ce que je fais. Une question, Jean-Noël, peut-être ? Alors oui, Erwan, tu en as parlé en introduction. Vous avez lancé votre première société très jeune, vous aviez une vingtaine d'années. C'est une décision importante, surtout quand on a cet âge-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans cette aventure ? Oh, tout simplement, je pense que j'avais un envie d'entreprendre. Depuis longtemps ? Depuis très longtemps. Je fais partie aussi d'une famille où il y a un certain nombre de personnes au sein de cette famille. On est une grande famille puisqu'on est 10 frères et sœurs dans la famille Fourny. Et une bonne partie, presque la moitié, ont à un moment ou à un autre créé leur propre expérience et se sont engagés vers donc des cas. Donc c'est une culture familiale. C'est une culture familiale, je pense. C'est une envie de créer, de se donner aussi des enjeux et de se remettre en cause à chaque moment. Et donc, ça a été mon souhait. Je crois que Philippe l'a très bien exprimé tout à l'heure au travers du petit message qu'il a donné. Effectivement, à l'époque, et Didier Hélin est très connu sur la région du Castel-Orientais puisqu'il est le dirigeant de la société Team Plastique aujourd'hui. À l'époque, il était dirigeant du modelage Hélin. Je travaillais avec lui, effectivement, je trouvais que c'était quelque part dommageable de laisser une partie des clients qui s'en aillent ailleurs, et ça a été pour moi l'opportunité de créer. À l'époque, je revenais du service militaire, je me suis dit pourquoi pas se lancer. Plutôt que de se retrouver au chômage, éventuellement, c'est peut-être une opportunité. Et à 24 ans, avoir des responsabilités, comment on gère la pression? Parce qu'il doit y en avoir. C'est très difficile. À l'époque, j'étais seul, j'avais pas de famille, notamment d'épouse et d'enfants, et je crois que c'était... C'est l'insouciance de l'âge, on y va. Je pense qu'on... En fait, je me suis dit, je me consacre essentiellement à ça. J'y vais, j'essaye. Bon, en même temps, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il faut aussi faire sa place, parce que quand on arrive dans un monde économique à l'âge de 24 ans, on a peu d'expérience aussi professionnelle. Je peux vous dire que mes autres collègues, et j'en avais quelques-uns sur la région de Châteaubriant et dans la Loire-Atlantique, ils me regardaient d'un sale œil, puisqu'en fait j'étais un petit peu le nouveau, le petit jeune qui arrivait, et est-ce qu'il va réussir, parce que le modelage c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, et c'est beaucoup d'engagement, parce qu'il faut faire de la démarche commerciale dans la journée, et le soir il fallait faire les modèles, il fallait faire les outillages, et c'était beaucoup de temps consacré pour l'entreprise, évidemment, et j'avais absolument pas à l'époque le temps de penser à autre chose. Donc on rappelle que le nom de votre entreprise, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle la CIM, Outillage Métallurgie, elle a été basée à IC. Et on va parler un petit peu plus tout à l'heure, je pense, dans la deuxième partie, comment on crée son entreprise, d'accord, mais ensuite, comment on devient président d'une chambre. Jusqu'à 19h sur le gris. Voilà, vous êtes de retour sur le plateau de Sur le Grill. Nous sommes toujours en compagnie de Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Jean-Noël, on va parler maintenant un petit peu plus de PME, d'artisanat, et un peu plus aussi de cette fameuse chambre. Alors effectivement, tout le monde connaît, en tout cas tout le monde a entendu au moins une fois le nom de chambre de métiers, mais combien de personnes savent vraiment ce qu'on y fait dans cette chambre des métiers? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les missions, les objectifs de cette chambre? Alors tout d'abord, la première mission de la Chambre des métiers, c'est d'organiser et de tenir le répertoire des métiers, puisque bien évidemment, c'est un passage obligé pour un créateur d'une entreprise, qu'elle soit artisanale notamment, l'obligation étant de passer par le répertoire des métiers pour l'enregistrement déclaratif, etc., toutes les déclarations administratives. Et puis, dans un second temps, la Chambre est bien évidemment là pour accompagner le créateur, le repreneur, dans le développement de sa propre entreprise, et puis l'aider à avoir une certaine dynamique. Et on peut l'accompagner à tout niveau, au moment de la création, au moment du développement, mais également aussi en termes de formation, puisque nous travaillons beaucoup sur la formation continue et sur la formation initiale, puisque nous avons un centre de formation qui est le CIFAM, qui représente 3600 jeunes, donc également un CFA à Saint-Nazaire, la maison de l'apprentissage, en partenariat avec la CCI et l'IFOCOTEP. Donc vous voyez qu'on peut être en contact avec les entreprises à tout moment. Alors ceci dit, c'est pas pour autant que les chefs d'entreprise et notamment les créateurs, les repreneurs, identifient clairement la Chambre des métiers en tant que telle. Aujourd'hui, on le voit bien, et d'ailleurs, la participation aux élections de la Chambre des métiers qui ont eu récemment lieu
en novembre dernier nous montre bien qu'il y a une méconnaissance, effectivement. On a 19% de participation, c'est quand même assez limité, très limité. On souhaiterait bien sûr que les entreprises identifient un peu mieux la chambre en tant que telle, mais pour autant je pense qu'ils sont en capacité de pouvoir reconnaître quel service la chambre peut leur apporter, et éventuellement ils ont en souvenir d'une personne, d'un administratif, d'un agent de la chambre qui à un moment ou à un autre leur a apporté un conseil. Et quand vous demandez aux uns et aux autres, vous avez été accompagné sur une démarche en direction des ressources humaines, bien sûr ils sont capables de dire oui, effectivement j'ai eu contact avec telle personne, et en fonction de la personne ils identifient effectivement qu'il y a eu contact avec la chambre des métiers, mais ça vient pas d'emblée comme ça. D'accord. Aussi directement. Alors Jean-Paul Bouzic, pour l'éclaireur, une question. Oui, vous êtes chef d'entreprise, c'est une activité qui demande, on le sait, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous avez aussi une vie familiale, mais tout ça ne vous suffit pas, et vous avez décidé en plus de vous investir dans l'action collective à travers la chambre. Pourquoi ? Simplement parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours compter sur les autres. Il faut aussi savoir s'engager, donner un peu de son temps, même si effectivement, forcément, il faut le temps, il est ce qu'il est. Il faut absolument trouver des créneaux à un moment donné pour pouvoir consacrer un peu de temps dans l'engagement professionnel. Et effectivement, il y a des gens qui en pâtissent, à la fois l'entreprise et notamment l'associé, et puis également la famille, hein, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps de prix sur le temps personnel. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on a à certains moments eu besoin d'appui, de soutien, et dans le cadre de la création d'entreprise et au moment du développement de l'entreprise, j'ai fait très souvent appel à des agents de la Chambre des métiers, et la Chambre des métiers a été partie prenante au développement et à l'évolution de notre entreprise, et notamment de la CIM. Et je crois qu'à un moment donné, c'est bien d'utiliser les services, mais il faut savoir aussi redonner. Renvoyer l'ascenseur. Alors, et c'est un peu c'est pour cela que j'ai pris la décision de m'engager. Et est-ce que vous avez un intérêt personnel ? Est-ce que c'est juste un sacerdoce ? Ou est-ce qu'il y a un intérêt personnel pour vous à présider cette chambre ? Est-ce qu'il y a une indemnité ? Est-ce que ça vous donnera des facilités aussi ? Alors, il y a une indemnité, bien évidemment, comme toute chambre consulaire, il y a des indemnités. Mais je dirais que les indemnités ne remplacent pas, je veux dire, une disponibilité qui peut se faire sentir au niveau de l'entreprise. Et je dirais que l'indemnité est ridicule par rapport à l'engagement et au temps nécessaire pour pouvoir pallier aux besoins de la chambre. Pour autant, je dirais que c'est absolument pas un choix personnel d'arriver. Enfin, c'était, en tout cas, pour ma part, c'était pas l'objectif même de l'engagement d'arriver à la tête de la présidence. C'est une chose qui s'est fait avec le temps, mais quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à fond. Et quand je prends une responsabilité, j'essaie de l'assumer pleinement. Donc, plus on assume les responsabilités qu'on nous confie, et plus on nous repère, et puis il s'avère qu'un jour, on vous fait encore un peu plus appel, et on vous demande encore plus, et vous finissez par vous retrouver à des postes que vous aviez absolument pas imaginé à un moment ou à un autre. Alors Jean-Paul Bouzy pour l'éclaireur de Châteaubriant. Il y avait plusieurs candidats à la présidence, vous avez été élu, quelles étaient les grandes lignes de votre programme ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors moi, ce qui a fait la différence, c'est c'est l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Hein. Je considérais, parce que bien sûr, il fallait que je défende quel était mon engagement par rapport à mes collègues. On avait une liste UPA où il y avait un certain nombre de... Il y a trois confédérations au sein de l'UPA. La CAPEB, qui est donc la fédération du bâtiment. La CNAMS, qui est fabrication et services. Et également la CGAD, qui est tout le secteur alimentaire. Et effectivement, on avait au sein de la CNAMS, je fais partie des services et de la production, puisque je suis issu des syndicats professionnels de la production, et on avait au sein de cette CNAMS deux personnes qui étaient à la fois candidates. Pour ma part, je ne le souhaitais pas très directement, mais en sollicitant
proposer, le niveau de formation des personnes également à qui on propose ce travail, et puis également un souci au niveau du revenu proposé. Alors, la formation en tant que telle, effectivement, ce qui est peut-être un peu pénalisant pour le territoire de Châteaubriant, c'est effectivement l'éloignement des centres de formation, parce qu'on a un certain nombre de formations qui se font sur l'agglomération nantaise ou nazarienne, et effectivement, avec des lycées professionnels ou lycées d'enseignement général sur le territoire de Châteaubriant qui sont un peu en perte de vitesse. On y veille, on travaille beaucoup là-dessus, et je pense qu'il faut effectivement travailler également sur l'image même des métiers et des professions, et on a une action qui est soutenue par la Chambre des métiers, notamment sur le territoire de Châteaubriant, qui est l'action métallurgique, sur lequel on s'engage beaucoup aux côtés des professionnels de la métallurgie sur le territoire, mais également aussi en soutien aux lycées professionnels de Châteaubriant, qui forment des jeunes sur ces métiers. Et je pense qu'il faut regarder et permettre aux familles d'avoir un nouveau regard sur ces métiers, qui sont des métiers de valeur. Alors, évidemment, on a toujours tendance à dire que le pays de Châteaubriant est un territoire sur lequel on a peu d'avenir, et en termes de revenus, c'est des revenus extrêmement faibles. Les cadres ne s'installent pas, ne vivent pas dans le pays de Châteaubriant. Ouais, les cadres ne s'installent pas, mais pour autant, je pense qu'il faut... il faut quand même montrer une image positive du territoire de Châteaubriant. Vous avez un certain nombre de gens qui y vivent et qui y vivent bien. Il y a une qualité de vie qui est exemplaire. L'agglomération, la vie en milieu urbain, c'est une chose. Effectivement, on a tous les services, on a toutes possibilités d'avoir un complément en termes de loisirs, etc. et d'activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Sur Châteaubriant, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même fait des efforts et considérables. On a des équipements qui nous permettent aussi de vivre très bien sur le territoire. Pour autant, c'est vrai que c'est effectivement une zone sur laquelle on considère qu'il y a peu de pouvoir d'achat parce que les gens sont sous-payés. Mais je suis toujours un peu remonté par rapport à cela, parce que je considère que si le salaire n'est pas à la hauteur qu'il devrait être, pour autant, il y a des avantages aussi sociaux sur lequel il faut jouer. Et effectivement, les entreprises s'engagent beaucoup sur des compléments de revenus. Il y a le revenu mensuel, bien évidemment, mais après, vous avez des participations de la part des entreprises qui sont non négligeables. Vous avez aussi des avantages sociaux qui sont non négligeables. Il faut prendre tout en considération. Alors, quand on regarde, le revenu d'un salarié sur le territoire, il faut aussi prendre l'ensemble, globalement, l'ensemble des avantages et des revenus. Le métier a changé également en artisanat, par exemple. C'est vrai qu'on a une image de ce métier comme un métier ou des métiers, en tout cas, qui demandent parfois peu de formation. Aujourd'hui, vous travaillez également sur cette image pour que les jeunes de demain qui s'engagent dans ces voies comprennent qu'il y a plusieurs portes d'accès à l'artisanat. Alors oui, je pense que c'est une méconnaissance. En fait, on fait un raccourci en se disant qu'effectivement, les métiers de l'artisanat sont peu valorisants et sur lesquels il n'y a pas une possibilité de pouvoir acquérir une expérience professionnelle de notoriété. Ben, je crois qu'il faut s'enlever cela de la tête, parce qu'effectivement, les entreprises artisanales s'adaptent. Elles s'adaptent technologiquement, elles s'adaptent aussi aux nouvelles pratiques, aux nouvelles obligations en termes de normalisation. Elles savent évoluer, elles savent s'équiper, elles savent développer leur entreprise qui vont dans le sens de pouvoir répondre aux besoins. Et en même temps, elles forment leurs jeunes et elles forment leur personnel vers ces besoins. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir une image très positive, sauf que l'artisanat, son gros défaut, et l'artisan en particulier, c'est qu'il ne sait pas se communiquer et faire valoir ses capacités à pouvoir être dans le vent et répondre réellement à une entreprise de pointe. Alors, un secteur dans le vent, c'est l'éco-construction, Jean-Noël. Tout à fait. J'aimerais avoir votre avis justement sur ce secteur qui est très en vogue depuis quelques années. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce marché risque d'être saturé au bout d'un moment, puisqu'on voit beaucoup d'éco-construction un peu partout ? Non, je pense que l'éco-construction, c'est effectivement très à la mode aujourd'hui. On en parle beaucoup, d'ailleurs,
Pour cause, on a travaillé avec le Conseil Général sur un éco-forum et le premier a eu lieu sur le territoire de Châteaubriant en 2009. Et aujourd'hui, on a un deuxième éco-forum qui est en préparation, qui doit avoir lieu sur le territoire de Machecoul, sur le Pays de Ré. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important parce qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Il faut que les professionnels pensent à construire autrement et différemment. Nous devons travailler dans le sens du développement durable. Nous avons aussi la partie environnementale sur laquelle il faut qu'on travaille. Il faut peut-être concevoir les habitations et les constructions différemment. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, et c'est notre devoir aussi de chambre consulaire, de pouvoir amener les professionnels du bâtiment, mais aussi les autres professionnels, les autres entreprises artisanales, à penser à avoir des équipements qui soient différents et conçus différemment. Je pense qu'il y a un avenir dans ce domaine. Je pense que c'est une réelle opportunité pour les entreprises artisanales. Je pense qu'il faut absolument qu'elles travaillent dans ce sens. L'éco-construction, ce n'est pas simplement la construction en tant que telle, mais c'est aussi tout ce qui est regroupement d'entreprises qui travaillent en collaboration, tout en prenant compte des problématiques des uns et des autres. Et quand on veut concevoir une habitation qui soit cohérente avec une construction dans le domaine de l'éco-construction, il faut absolument que les professionnels, à la fois du maçon jusqu'au charpentier, au couvreur et au plombier chauffagiste, il faut absolument qu'ils travaillent et qu'ils sachent travailler ensemble. Et on a aujourd'hui sur le département des coopératives qui se mettent en place où un certain nombre de professionnels de différents secteurs d'activité travaillent ensemble sur des projets communs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque c'est vrai que ça permet aussi à l'entreprise de s'ouvrir et de prendre en considération ce qui se passe à côté de lui. La réalité du marché. Et je crois qu'on a aussi une attente forte de la part des particuliers, mais aussi des collectivités locales dans ce domaine. Il faut à la fois savoir concevoir, mais il faut aussi être force de proposition. Et je crois qu'on attend beaucoup des artisans pour proposer et donner des solutions qui soient adaptées aux besoins actuels. Alors, on a évoqué l'image globale plutôt négative de certains artisans encore. Zénith FM a réalisé un micro-trottoir sur le sujet. C'est la question qui fâche. On écoute ça tout de suite et votre réaction, je vais le fournir tout de suite après. Que représente pour vous aujourd'hui l'artisanat ? Métier d'art, métier de savoir et apprentissage. Tout ce qui va être le commerce, le tourisme et de l'artisanat plus technique avec des objets ou de l'artisanat qui veut dire art. Donc l'art de faire les choses bien. Ça représente un métier fait par une personne qui prend une matière première pour réaliser quelque chose de concret. Ça représente le travail bien fait, la qualité. Les travailleurs qui font bien leur boulot et qui sont proches des clients. Le mot artisanat évoque pour moi un travail bien fait, avec de bonnes finitions et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Alors Joël Fourny, on le voit vis-à-vis des consommateurs, l'artisanat représente avant tout la qualité et le savoir-faire. Pourtant aujourd'hui, selon la répression des fraudes, les plaintes pour abus en matière de travaux sont en nette progression. 30 000 familles sont aujourd'hui en procès contre leurs artisans pour dépassement de devis, malfaçons, faillite ou encore retard. Alors est-ce que vous avez à la Chambre des métiers réellement les moyens de contrôler et de réguler ce marché pour garantir aux consommateurs ce qu'ils sont en droit d'attendre? Oui, bien sûr, nous avons possibilité de donner une autre image. Et aujourd'hui, on a au travers de ce micro-trottoir, on voit bien qu'il y a un certain nombre de particuliers qui sont aussi en capacité de pouvoir reconnaître la qualité du travail. Ça ne fâche pas trop cette question quand même. Ça ne fâche pas trop, je pense que c'est assez positif et je suis assez satisfait d'avoir des remarques aussi positives que cela. C'est de l'art, effectivement. Ils font le lien très, très proche entre l'artisan et l'artiste et je crois qu'on joue beaucoup là-dessus. D'ailleurs, on a aussi pour vocation à la Chambre des métiers de travailler avec toutes les entreprises de métiers d'art et nous en sommes satisfaits parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour autant, il y a des malfaçons, il y a aussi des procès, il y a des choses qui existent, mais j'irais, c'est dans toutes les activités. Aujourd'hui, sur l'artisanat, on identifie un certain nombre de problématiques, de délais non respectés, de produits non utilisés correctement, mais on a aussi des choses
choses qui sont faites par des entreprises qui n'ont pas non plus la conscience professionnelle. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle justement du statut de l'auto-entrepreneur, on peut s'inquiéter effectivement de voir apparaître ce genre de problématique. Aujourd'hui, on a des professionnels de qualité qui ont un savoir-faire exemplaire, mais qui sont aussi beaucoup, je dirais, concurrencés par des gens qui n'ont aucune connaissance des professions et qui se placent aussi sur un marché sans pour autant avoir la capacité à pouvoir y répondre, et ça c'est quelque part dommageable. Alors nous, bien évidemment, la chambre consulaire et la chambre des métiers est obligée de prendre en considération les textes de loi. Ce régime d'auto-entrepreneur est mis en place, il existe, pour autant il n'est pas, pour nous, il n'est pas complètement satisfaisant. Alors bien sûr, on peut pas être complètement contre le fait de créer et d'être à l'initiative d'un développement d'une idée d'installation. On ne peut qu'encourager, mais bien sûr, il faudrait mettre des limites qui soient et des protections qui permettent, j'irais, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et on y travaille, et je peux vous dire qu'au niveau national, la PCM, l'Assemblée permanente des chambres des métiers, y travaille de plus en plus, allant dans le sens de mettre des garde-fous. Et quand on parle de décennal, quand on voit aujourd'hui qu'une entreprise artisanale doit absolument avoir une assurance décennale et que l'auto-entrepreneur n'a pas l'obligation aujourd'hui, eh bien c'est quelque part un déséquilibre, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas accepter de rester en l'état, et on travaille avec les ministères dans ce sens pour pouvoir remédier à tous ces dysfonctionnements. Alors concrètement, certaines chambres des métiers ont déjà mis des labels en place ou des cartes de validation de l'activité de certains artisans, justement pour garantir aux consommateurs une certaine qualité. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Oui, bien sûr, on essaie de mettre en place des labels de savoir-faire, un certain nombre de reconnaissances et de diplômes qui permettent de mettre en avant un savoir-faire d'une entreprise. Et bien sûr, c'est aussi notre compétence de mettre de reconnaître et de savoir de donner la possibilité aux entreprises aussi de valoriser ce savoir-faire au travers de supports labellisés, également pourquoi pas de diplômes reconnus en tant que tels comme étant des professionnels de qualité sur lesquels ils ont une connaissance toute particulière. C'est dans notre objectif de la Chambre de mettre en place un certain nombre de reconnaissances. D'ailleurs, dans le cadre de cette mandature, nous allons travailler sur un groupe de travail de reconnaissance de l'artisan et du savoir-faire de l'artisan. Il est indispensable qu'on y travaille particulièrement, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument enlever les mauvaises idées et les mauvais points de vue qu'on peut avoir sur l'artisanat notamment. Alors l'économie locale, la vitalité de l'économie locale, c'est aussi une question de transport. Jean-Paul Bouzic pour le journal L'Éclaireur. Oui, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'éloignement de Châteaubriant et notamment des problèmes que ça posait pour les gens en formation qui doivent se déplacer à Nantes ou à Saint-Nazaire. Or, le tram-train va ouvrir en 2013, les travaux viennent de commencer. Est-ce que vous pensez que ça peut changer en profondeur la vie économique et sociale de la région de Châteaubriant? Oui, je suis persuadé qu'en termes de formation notamment, ça va nous permettre de nous rapprocher des grands centres. Le tram-train est réellement une opportunité exemplaire pour nous, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on attend depuis extrêmement longtemps, même si en même temps on peut se poser quelques questions, parce qu'on pourrait devenir aussi un territoire dortoir, et en contresens on pourrait avoir un nombre important de Nantais qui viennent habiter la région castelbriantaise pour l'hygiène de vie, et à côté de ça consommer et travailler sur l'agglomération urbaine. On ne peut pas simplement faire ce constat. Il faut aussi constater que l'arrivée du tram-train va nous permettre aussi on peut espérer qu'on puisse délocaliser un certain nombre de services qui existent sur l'agglomération nantaise. Une agglo qui est complètement saturée, sur lequel on a une problématique de foncier importante. Et peut-être que c'est une opportunité d'ouvrir sur des territoires comme celui de Châteaubriant et sur toute la partie de la ligne tram-train Nantes-Châteaubriant, d'ouvrir à des services nouveaux et puis d'essayer de pouvoir à la fois créer de l'emploi, mais également et des nouvelles activités, mais aussi amener les gens aussi à résider sur le territoire. Alors bien sûr, pour autant, il faudra quelques années pour trouver bien sûr le juste milieu entre les deux. Alors très rapidement, dernière question, on passe pas à côté de ce dossier, c'est une question qui fâche, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça va être beaucoup de travail, grand chantier, est-ce que vous avez les moyens de peser, de vous assurer que ces travaux vont pouvoir aller aux artisans locaux, ou est-ce que
Alors bien sûr, c'est une question qu'on se pose actuellement, parce qu'effectivement, là, on rentre dans la phase de réalisation. On nous évoque effectivement que ça va permettre à l'économie locale de bénéficier de cette construction et de cet aménagement. Moi, je ne suis pas complètement rassuré par rapport à cela. On n'a pas forcément la possibilité aujourd'hui de voir apparaître et d'influer le fait près du constructeur de s'engager pleinement et de faire travailler l'économie locale. L'aéroport, il existe, il a lieu d'exister. Et je dirais, c'est une opportunité pour le territoire de la Loire-Atlantique et de la grande région Ouest. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais notamment pour notre territoire. Le territoire de Châteaubriant peut bénéficier d'un atout important, mais c'est vrai qu'il va y avoir aussi des contraintes. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur le milieu agricole, mais il va y avoir, en termes de foncier notamment, mais il va y avoir aussi les mêmes problématiques pour l'artisanat. Et je dirais qu'au-delà de l'activité artisanale qui peut être acteur sur la création et sur la mise en place de cet aéroport, c'est bien notre... Au-delà de ça, c'est après, l'après-coup, sur le long terme, comment on va pouvoir accompagner et permettre à l'artisanat d'être toujours présente sans avoir, je dirais, les effets négatifs de l'installation et de la mise en place de l'aéroport, puisque le foncier va devenir extrêmement rare. Et là, ça va peut-être être un problème pour l'artisanat de pouvoir trouver des espaces qui soient à des coûts moindres pour pouvoir continuer leur activité. Donc j'espère que cet aéroport, et notamment le financeur de l'aéroport, prendra en considération l'économie locale et qu'il considérera que c'est important pour le devenir de l'aéroport de prendre en compte l'ensemble de l'activité industrielle, artisanale et agricole. Des choses à faire encore sur ce dossier, on guettera ça. 18h, 19h sur le grill. Toujours en compagnie de Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique, sur le grill avec l'éclaireur de Châteaubriant, Zénith FM et Pulseo. Et c'est la question d'actualité, Jean-Noël. Tout à fait, nous avons récemment eu le cas d'un nouveau suicide chez France Télécom. Est-ce que l'artisanat est touché par ces drames? Est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous avez des moyens justement de prévenir ce genre de drame? Alors je pense qu'effectivement, heureusement pour l'artisanat, on n'est pas du tout sur ce phénomène. Aujourd'hui, dans les entreprises artisanales, je dirais qu'il y a un travail de la part des chefs d'entreprise qui est de prendre en compte l'homme en tant que tel et de l'intégrer, le prendre en considération pleinement au sein d'une entreprise artisanale. Il y a le côté familial, il y a la structure qui reste quand même sur une entité familiale au départ. Et je pense que le chef d'entreprise d'une entreprise artisanale et l'artisan, il a une autre vision que de mettre en permanence en stress le personnel, même si aujourd'hui on est sur un fonctionnement qui nous amène bien évidemment à certains moments à mettre un peu la pression sur les salariés. Je crois qu'on n'en est pas rendu au cas de la pression qui peut être menée dans les grands groupes et notamment chez France Télécom. Pour autant, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur ce volet-là, sur le fait de faire prendre conscience aux entreprises que le travail sur tout ce qui est aspect ressources humaines, c'est extrêmement important. Il faut absolument écouter, être à l'écoute du personnel des entreprises, parce que je pense que c'est essentiel. Est-ce que finalement la force de l'artisanat, c'est d'être à taille humaine? Je pense que c'est ça. Et puis, je pense que notre force, c'est aussi qu'on est bien évidemment appelé à se voir sur le territoire, puisque nous sommes tous, pour une grande partie, du personnel des entreprises artisanales, des gens qui vivent aussi et qui consomment sur le territoire. Donc, on est appelé à travailler ensemble, mais aussi à se revoir dans les loisirs, dans le cadre des loisirs, etc., dans la vie locale. Et je crois que c'est ce qui fait notre force, c'est-à-dire qu'on est capable d'être, sur une relation de travail à certains moments, mais aussi dans d'autres lieux et dans d'autres cas, savoir faire la fête et puis partager des moments agréables ensemble. Et je pense que ça s'oublie pas et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que l'artisanat est quand même là-dessus, et heureusement. Et aussi la force de l'artisanat, c'est le management. Parce que le gros souci de ce genre de grandes sociétés, c'est souvent des problèmes de management. Oui, mais je pense que l'entreprise artisanale, bien sûr, il faut qu'elle s'en...
qu'elles prennent aussi le management comme étant quelque chose d'extrêmement important. Vous les formez d'ailleurs, vous. Mais on les forme, on leur permet de regarder et de d'avoir un regard tout particulier là-dessus. Mais on n'a pas les mêmes, j'irais, les mêmes objectifs. Une entreprise telle que France Télécom, il y a des objectifs financiers, il y a bien sûr l'aspect financier qui joue un rôle non négligeable. Même si une entreprise artisanale aujourd'hui, bien sûr, on joue sur ce côté-là parce qu'il faut bien évidemment qu'elle soit rentable et qu'elle puisse se dégager aussi des résultats qui permettent aussi de pouvoir pérenniser l'entreprise et l'activité et l'emploi. Mais pour autant, on n'a absolument pas la même vision des choses et je crois qu'avant tout, c'est le métier qui nous parle et c'est ce qu'on essaie de transmettre notamment au travers de la relation qu'on peut avoir entre le chef d'entreprise et le personnel. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'il faut qu'on mette en avant et je pense qu'on a un certain nombre d'entreprises artisanales qui sont à reprendre dans les années qui viennent et c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on permette aussi de donner cette impulsion dans les entreprises et de donner l'envie aux jeunes et aux salariés de pouvoir entreprendre et de s'engager parce que c'est, je peux vous dire, vive ce moment-là en tant que chef d'entreprise artisanale. Et là, c'est le chef d'entreprise artisanale qui vous parle. Je crois que c'est une expérience, même si, et mon collègue Philippe le disait tout à l'heure, en tout début d'émission, c'est quelquefois des périodes difficiles, des périodes de stress, des périodes d'inquiétude, et puis on n'a jamais rien de gagné. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant, ça nous permet d'avoir une vie très intéressante. Et je crois qu'être engagé professionnellement et être à la tête d'une entreprise, qu'elle soit artisanale, de petite taille ou de grande taille, je pense que c'est une expérience qui est extrêmement intéressante et enrichissante. Joël Fourny, je veux bien vous croire. Vous trouvez que vous avez une drôle de vie ? Non, j'ai une vie qui est passionnante, qui est prenante, mais je dirais que c'est une certaine richesse parce que c'est vrai que rester à la tête d'une entreprise, la tête dans le guidon, au bout d'un moment, ça peut fatiguer, ça peut lasser. Et effectivement, le fait de s'engager, c'est aussi faire des sacrifices. Mais d'un autre côté, on a des retours. Ça permet de rencontrer plein de gens, plein de monde, de voir d'autres visions, d'avoir d'autres avis et puis de partager des moments aussi sympathiques. Jusqu'à 19h sur le gris. De retour sur le plateau de Sur le gris, c'est la fin, c'est la conclusion. Nous étions en compagnie de Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Joël Fourny, merci d'avoir été avec nous, merci de votre franchise en tout cas. Merci à vous et c'était un excellent moment partagé avec vous. Merci. De même, on remercie également Jean-Paul Bouzy pour le journal L'Éclaireur de Châteaubriand. Merci Jean-Paul. Merci. Merci à Sonia Martin pour la radio Zénith FM qui nous accueillait dans son studio aujourd'hui. Merci à vous. Merci, merci également à Jean-Noël Toubon pour Pulseo et bien sûr écoutez, réécoutez cette émission en podcast sur le site de zenithfm.fr, en image hein, sur le site de pulseo.com et retranscrit dès aujourd'hui dans le journal L'Éclaireur de Châteaubriand. Voilà, ça va se terminer, ramassez les allumettes, éteignez le gaz sur le gris, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous on se retrouve très bientôt avec un autre invité de marque. Restez-nous fidèles et à très très vite. Détendez-vous, vous êtes sur le grill. C'est vrai que j'appréhendais, je me suis dit une heure c'est beaucoup, mais en fait en réalité ça passe très vite. À partir du moment où on aborde des sujets qu'on connaît bien et sur lesquels on a une conviction toute particulière, ça pose pas trop de problèmes. Et en tout cas c'était sympa d'avoir affaire à plusieurs personnes qui posent des questions, ça tourne avec une vision et un point de vue peut-être différent, donc c'est intéressant.